Et bonjour à tous, on se retrouve pour la suite des aventures de Fire Emblem sur Fire Emblem Path of je sais plus quoi, Radiance. moi et ma mémoire, hein, ça me joue des tours. On était en pleine guerre, on a voulu aider notre père avec qui on s'était séparé lors d'une mission. On l'a retrouvé en plein milieu et d'une armada d'ennemis. Donc là, il est parti s'occuper de la méchante générale. Et nous, on doit s'occuper du reste. Alors toi, tu vas aller là. On va ouvrir le coffre. Un cuiracide. C'est quoi ça, un cuiracide? On sait pas. On va aller par là. S'occuper de... Et là... On récupère le marteau. On va l'associer. Et l'associer. Parce que je sais qu'on va les perdre après. Voilà. Je sais que. On va. Les perdre après. Donc. Avant un moment. Donc autant recharger toutes les batteries. Oh, c'est joli ça. Allez, on vient de l'apprendre. Allez. Oh la vache. Oh là, il est beau là, le level. Excuse-moi. Oui, essaye toujours, tu vas me... Hein. Tu vas me mater. Voilà, c'est ce que je disais. Ok. Allez, survie. Bon, ok. Elle est forte, cette Titania, quand même. Attaquer. Tu peux en faire sur un soldat du feu. Voilà, ça c'est bien. Au moins, fait l'XP. Alors après.
secret. On a toi. Attaquer. Ouh, ça va être beau, ça. Ah, c'est plus long à monter, hein, l'XP, là. Exterminé. Zut. C'est pas assez exterminé en fait. Prendre ça, t'as tout rien à comprendre. C'est un miracle. Non. Ouf. T'es plus rapide que moi, c'est le coup là. Bien. On est à l'abri là. Ah, ça fait mal, hein. Ah, ça fait mal. Attaque la royale sur lui. Oula, où il l'a senti passer. Oula, c'était bon. Où il a mangé Gère. Cool. Vous avez obtenu du feu. Ok. Donc on attaque en bas, on change de niveau au passage. Génial. J'aime quand tout se passe sans problème. J'adore quand ça, quand un plan se déroule sans accroc.
Allez, roule. Un petit point de vie quand même. Résistance quand même. Bon, magie plus forte. En bas, il n'y a rien. Ça fait quoi ça? Allez, on est reparti. Ah zut. Je pensais pas qu'il avait si peu d'attaque. De points de vie. Tu veux pas me toucher, hein? Enchaîné. Il change de niveau. Alors on attaque ça là-dessus. Oh, tu vas manger là. Voilà. Ouais non, attends, je suis pas fou là-haut. Et j'attaque. Avec son arc en acier. Bande de misérables, vous n'êtes pas digne de l'attention du général Pétrine. Je vais calciner vos os et j'en ferai des trophées. Bah, marche déjà ça. Voilà. Oh, oh, I, O, U. Changement des niveaux. Voilà, ça c'est bon.
Ok, c'est fini. Je dois retrouver mon père. Où est-il allé? Titania, est-ce que mon père... T'en fais pas, le commandant Grey est un combattant hors pair, il est quasiment invincible. Mais qui es-tu? Je t'ai pris pour un mercenaire ordinaire, mais tu te bats comme un démon. Qui a-t-il vous déclaré forfait? Moi, admettre la défaite, jamais ne sois pas ridicule. Regardez, ils sont là-bas. Zut, des renforts ennemis. Père, filons d'ici, ils sont trop nombreux. On dirait que je n'ai pas le choix. On dirait que la chance a tourné, hein. À toutes les troupes à l'attaque, tuez-les, ne faites pas de quartier. On dirait que la chance nous a quittés. Père, tu dois survivre, Ike. Je ne vais pas te perdre. Pas ici, tu es prêt? Oui, commandant. C'est sans issue, tu peux maudire les dieux car ils t'ont abandonné. Hein? Des bêtes! Les bêtes de l'armée de Galia. Courez, ils vont nous réduire en miettes. Restez où vous êtes, que personne ne s'affole. Je massacrerai personnellement le premier qui se dérobera. Non! Salut. Bande de loges. Des bêtes! Le chat. Votre attention, soldat d'un, quittez cet endroit sur le champ. Si vous refusez de tempérer, il vous faudra affronter toute la puissance de Galia. Vos menaces ne vous font pas peur. Si je fuis, sa majesté m'exécutera. Je préfère mourir au combat afin de ne pas entacher mon honneur. Écoutez. Retirez-vous, général Pétrine. Les chevaliers noirs. Concernant votre roi, vous n'avez rien à craindre. Je lui expliquerai tout. Emmenez vos hommes et partez. À toutes les troupes, reculez. Hein? C'est toi qui le fixe du regard, n'est-ce pas, père? Oui. Eh, vous vous croyez de taille face à nous tous? Père? Papa! Ike! Mist! Sur Grail, sur Ike! Ouais, c'est bon, on va énumérer tout le monde. C'est un soulèvement de voir que vous allez bien. Princesse Sénatien, pourquoi avoir rebroussé chemin? La princesse a prié Galia de venir en aide à des mercenaires, voilà pourquoi nous sommes ici. Êtes-vous l'un des sous-humains de Galia? Sous-humain, je t'en foudrais, moi. Un sous-humain? Ah, il faut être grand pour créer un nom tel que celui-ci. Vous croyez les seuls à être dignes du nom d'humain? Vous croyez supérieurs aux Lagus? Voilà pourquoi vous nous considérez comme des sous-humains. Pour vous, nous sommes des êtres inférieurs, n'est-ce pas? Désolé, je ne connais pas votre véritable nom. Si je vous ai offensé, je vous prie de m'excuser. Comment dois-je vous appeler? Lagus, c'était un petit plus approprié. Hein? Vous montrez du respect? C'est étrange. J'apprécie. En fait, qui êtes-vous exactement? Je m'appelle Ike, j'appartiens aux mercenaires de Grail. Je suis Ranulf, guerrier de Galia. Nous ne savions pas quoi faire lorsque ce groupe de Beorc a débarqué à Galia. Imaginez quelle fille en surprise! En apprenant que l'un d'eux était la princesse initiale. Ce fut un choc. Il y a deux jours, d'un envahi le royaume de Crimea. On pensait que toute la famille royale Crimea va être tuée. Donc, conquis Crimea, ça veut donc dire que. J'ai aussi entendu la nouvelle de la bouche de Sir Ranul. Après m'être enfui de la capitale, mon oncle Rénin, je suis seul face au monde. Donc, princesse initiale, c'est pourquoi notre roi a renforcé la garde le long de la frontière. Ce n'est pas par hasard si mes soldats se trouvaient dans le coin et qu'ils ont volé à votre secours. Je vois. D'abord, je dois présenter la princesse et l'ancien au roi. Quant au reste de vos hommes, je dois attendre les ordres de mes supérieurs. D'ici là, vous pouvez vous reposer dans l'un des vieux châteaux de Galia. Veuillez m'excuser, mais je ne peux pas faire entrer autant d'étrangers au palais sans autorisation préalable. Je comprends. Commandant, ça ne pose aucun problème, n'est-ce pas? Commandant. Hein, Isiel? Qu'y a-t-il? Tu sembles distrait, ça m'étonne de toi. Je pense à autre chose, alors qu'est-ce que vous avez décidé?
La princesse Inicia va au palais avec Ranulf. Nous, nous allons établir un camp dans un vieux château de Galia. Quelle route faut-il prendre, Ranulf? Je vais demander à l'un de mes hommes de vous y conduire. Que quelqu'un les accompagne. Non, ne vous dérangez pas, si c'est près d'ici, il faut juste traverser la rivière et aller vers l'ouest. Il s'agit du château de Djebal, n'est-ce pas? Vous pouvez partir, emmener la princesse jusqu'au roi qui est machin truc là, allez vite que possible. Entendu, pour des invités, je vous trouve prévenant, si vous voulez bien m'excuser. En somme, vouloir être impertinent, vous ferez livrer de la nourriture plus tard. Le voyage a été particulièrement pénible, nous n'avions emmené qu'un peu de viande et du pain. Nous vous amènerons de quoi manger, votre Altesse, pouvons-nous partir? Au revoir tout le monde, à plus tard, je vais bientôt vous revoir, n'est-ce pas? Faites attention à vous. Château de Djebal. Père! Ike, que fais-tu debout à cette heure-ci? Je n'arrivais pas à dormir. Je suis donc allé prendre l'air, c'est comme ça que je t'ai vu quitter le château. Où vas-tu? Ce ne sont pas tes affaires, retourne te coucher. Vas-tu enfin cesser de me traiter comme un enfant? Je fais ce que je veux, d'accord? Ah, t'as toujours été une tête de mule. Allons dégourdir les jambes, nous en profitons pour parler un peu, tu veux? Pourquoi pas? Dis-moi, qu'est-ce que tu t'es fait à la vie de mercenaire, à notre façon d'aborder les combats? J'ai énormément progressé, mais je ne comprends pas. Pourquoi donnes-tu autant de responsabilités à quelqu'un d'aussi inexpérimenté que moi? Pourquoi tu te plains? L'autorité te pose un problème? Contente-toi de donner réponse claire. Je suis un novice, j'ai déjà un mal de chien, gérer mon travail. Je ne devrais pas être responsable du travail des autres. Tu peux tout apprendre sur le tas, tout se mettre en place quand tu auras acquis assez d'expérience. C'est étrange, tout avant, jamais tu n'aurais jamais dit une... ou fait une chose pareille. Quelque chose ne va pas, père? Pourquoi es-tu aussi pressé? Ike, te souviens-tu de ta mère? Comment? Pourquoi tu me demandes ça? Réponds juste à ma question. Oui, on voit, elle était douce, du moins je crois. Je ne me rappelle pas vraiment. Et vu que tu en parles rarement, ça m'aide pas à me souvenir d'elle, là. Père, qu'y a-t-il? La conversation est terminée, laisse-moi et retourne au château. Quoi, juste comme ça? Tu as entendu ce que je viens de dire, c'est un ordre, retourne au château immédiatement. Je veux comme tu voudras. Ok. Petite animation. Sympathique. Père, qu'est-ce possible? Où es-tu? Aïe, tu m'approches pas! Here, here's the sled. Tiens, assure-toi de cette épée. What are you doing? Comment? J'attends ce moment depuis longtemps. Je préférais que tu utilises ta vraie arme pour que je puisse admirer toute ta puissance. Général Gawain de Dain. That was my name once. C'était mon nom autrefois. But I. Mais je. Threw it away. L'ai abandonné. The only weapon I need. La seule arme dont j'ai besoin. Is right. Et juste. Here. Essaye. Do you
Tu vas mourir. Your voice. C'est toi, je me souviens de toi. Think you can tu crois pouvoir me vaincre, moi l'homme qui t'a appris à te battre. You had a fight. What a fool. Come on, boy. Allons, come garçon, approche. Alors c'est tout? Aucun défi? Aucune résistance? Père! Non, je t'en supplie. Don't leave me! Ne me donne pas, père! C'est incroyable, comment mon professeur a-t-il pu régresser autant? Père, père! Je like. Tiens bon! Alors, vas-tu me donner ce que je suis venu chercher? Je ne l'ai pas, je l'ai jeté. Ah, tu connais sa valeur mieux que personne et tu l'aurais jeté? C'est un mensonge un peu gros, non? Tu pourrais faire preuve d'un peu d'imagination. Je n'ai plus rien à te dire. Tu n'obtiens donc pas de réponse, c'est ça. Les morts sont enterrés avec leurs secrets, il paraît, mais toi, tu n'es pas encore mort. Je me demande si en regardant le visage de ton fils pâlir et si je vais se figer, tu seras autour de ta fille. Oh, les horreurs qu'elle subira. Est-ce que ça te délire à la langue? Je crois qu'il faut juste essayer. Quoi? Non, aïe. Aïe, ta dernière chance. Donne-moi ce que je suis venu chercher, si tu coopères, ton fils vivra. Arrête, laisse mon fils tranquille. Comment? Le roi des bêtes, c'est gênant. Dois-je me retirer? Restez où vous êtes. Dis-moi, est-ce que le fils est aussi stupide que le père? Père, Ike, arrête, il ne peut pas te gagner. Mais Ike, tu vas pas continuer dans ce cas, je vais terminer. J'étais presque, mais ce n'est pas le moment de m'occuper de lui. Tu vas rester en un seul morceau aujourd'hui, petit vénard. Zut. Si obstiné, si arrogant. Bien sûr, celui qui l'a rendu comme ça, c'est moi. Père, tiens bon. Je ne peux rien faire ici, je dois retourner au château. Assez long comme cinématique. Mais encore ? Pinaise. Ike. Père, tu es réveillé? Il y a quelque chose que je dois te dire. Putain, je dois d'abord te ramener au château. Oublie toute vengeance, laisse ce chevalier partir, écarte-toi de son chemin. Comment, père? Reste avec le roi de Gaïa, reste vivre ici en paix. Père, ne dis plus rien, tu gaspilles tes forces, je t'en prie. J'ai besoin de toi pour m'aider à m'occuper de tout du groupe de Myst. Tu n'as pas le droit de dire ces choses. Le soleil va bientôt se lever. Tu vas bientôt aller mieux. Encore quelques instants. Reste encore quelques instants. Et voilà. On est arrivé à la fin du chapitre. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. J'ai pas pu la couper avant, mais elle fait bien une demi-heure cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. L'histoire vous plaît. Et dans ce cas, donnez-moi un petit pouce bleu pour m'encourager. Un petit commentaire, abonnez-vous à la chaîne. Et puis à bientôt tout le monde. Ciao ciao.